Anderson, le temps presse, ne perdons pas de temps. Comme vous le savez, nos sources ont détecté des problèmes en Russie et en ont informé TASC 121. C'est pas la même chose à chaque période de fête ? Cette fois, c'est pire. Il existe une cellule de l'armée russe qui se concentre uniquement sur la recherche et le développement d'armes. Je parle de combinaisons, d'équipements et d'IA pour drones sophistiqués, voire ADM. Quel genre ? C'est ce que nous voulons justement savoir. Le JSOC a envoyé un agent pour qu'il infiltre la base située dans la ville fantôme de Birsovik en Sibérie, se fasse passer pour un de leurs scientifiques et récupère des informations concrètes. Toutes les mesures ont été prises pour éviter tout déni de son identité. Voici l'agent M. Dias, nom de code Greyhound. C'était lui l'agent de liaison pour la CIA durant l'opération de Sarajevo. Je me souviens. Nous avons perdu son contact il y a 72 heures. Vous y allez en solo. Vous n'aurez aucune aide de notre part vu le caractère politique de cette mission. Cela dit, si vous êtes capturé... Vous me la jouerez mission impossible, je sais. Localisez le signal de Dias, faites une estimation des dégâts et récupérez des renseignements. Revenez tous les deux, si possible. Bien compris. Uniforme, zone de largage atteinte, prêt à déployer. Impossible d'aller plus loin, Sandman. La tempête de neige arrive, je dois y aller. Reçu, je m'occupe du reste. Déployez, bonne chasse. Sandman, on évite tout contact radio à partir de ce marqueur. On a le feu vert pour l'opération Siberian Strike. C'est parti. Encore au cœur de la bataille. La zone est assez ouverte. Voyons ce que nous avons là. Il y en a un... deux... et trois. Trois sentinelles. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Qui êtes-vous ? Hé, vous parle ! Qui vous a laissé entrer ? Ferme-la et écoute-moi bien. J'ai tout mon temps. Pense bien à ce que tu vas dire avant d'ouvrir encore la bouche. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi tout ce matos pour une simple base de recherche ?
On devait équiper les Topol avec l'agent pathogène et les transporter en tant que convoi militaire. Mais... Qui a donné le feu vert? La Russie a signé le CABT il y a des années. Vous pensez vraiment que votre gouvernement veut détruire cette arme, ou plutôt l'utiliser à son compte? Ça suffit. Dis-moi ce que je veux savoir. Ou bien je t'enfonce ça dans la gorge et je t'allume comme un sapin de Noël. Où se trouve la cargaison? Dis-moi où! Je vais pas demander deux fois. Olianov en sait plus! C'est lui qui a tout arrangé! Il est parti dans le vieux quartier pour superviser le transport! Qui est l'acheteur? Il va me tuer! Рассредоточиться! Прочесать все строения! Quelque chose de gros se ramène. Un train? J'entends les machines. Détachement de sniper, c'est la priorité. Reçu. Il n'y en a pas d'autres. Je pourrais m'infiltrer pour passer le pont. On dirait un beau petit nid. Bingo. Ça risque de mal tourner. Je dois trouver une meilleure position. Menace éliminée. Да какого хрена? Пахнет хуже долбанного цыганского табора.
Il n'y en a pas d'autres. On est dans la merde si ce truc s'échappe. Je dois lui couper l'herbe sous le pied. Journal attendra. Pas un numéro de plaque, c'est une fréquence. Il diffuse en local, cet enfoiré. Signalez plus fort. Sandman, Tango, Whisky, Sierra, à vous. Greyhound, Foxtrot, Zulu, Sierra. Ce canal est sécurisé. Pourquoi cette charade avec le Maccabée, agent? Par mesure de précaution, j'avais mes supérieurs sur le dos. Puis c'est arrivé. Whisky, pour un sniper, c'est parfait. Ouais, mais mes ordres sont de sortir de là avec les infos. Négatif. Les renseignements ne feront que dalle maintenant que les chercheurs ont conclu un marché avec des terroristes. Ils sont là pour récupérer des échantillons de l'agent biologique. Si on ne bouge pas maintenant, on peut dire au revoir à toute l'affaire. D'accord. C'est quoi le plan? Éliminer les responsables, prélever un échantillon, saboter la cargaison si possible. Dans le cas contraire, marquer la marchandise pour pouvoir la suivre jusqu'à l'acheteur. Les principales pièces du puzzle sont Nevsky, Somovitch et, par-dessus tout, Ulyanov, le chercheur en chef. C'est lui qui nous dira tout ce qu'on veut savoir. Surveille bien le complexe de sécurité situé à 2 clics de ma planque. On pourra se coordonner à ce moment. Anderson, on doit gérer ça mieux qu'à Sarajevo. Si t'as bien fait tes devoirs cette fois-ci, ça devrait aller. Sandman, terminé. Nous avons 3 pièces du puzzle. Nous avons d'abord Igor Nevsky, l'ingénieur en charge des laboratoires et du matériel, plutôt discret. Mais on ne sait pas grand-chose à son sujet. Ensuite, Mikhail Somovitch, expert en dispersion. Un petit morceau du puzzle, mais essentiel, plutôt du genre extraverti. Il aime tâter de la bouteille, facilement manipulable. C'est mon ticket d'entrée. Pour finir, l'as du jeu, Alexei Ulyanov, un ancien membre de l'Université de Moscou. Il semblerait qu'il en ait eu marre de jouer les loyalistes avant de négocier un accord avec des terroristes. C'est plutôt ironique si on considère qu'il est probablement un ancien membre du KGB, comme le grand boss. Mais il y a autre chose, je le sens. Je vais continuer mes recherches. Greyhound presque en position. Bâtiment Est. Qu'est-ce qu'il est moche. Ouais, ils ont bien choisi l'endroit où s'installer. Même les cafards ont préféré quitter ce trou post-soviétique.
situe à quelques pâtés de maison. Attends, Graham, j'ai un survivant. Sentinelle. Ouais, il est indirect sur ta zone d'op. Une seconde que je m'occupe de lui. Il pourrait nous aider. Fais en sorte qu'il nous indique l'emplacement exact de Nevsky et de Somovitch. Je préfère savoir où je vais que d'y aller en aveugle. Compris. J'ai besoin que tu m'éclaires sur deux points. On va commencer par du facile. Hoche la tête si tu comprends. Très bien. Si t'es là, ça veut dire que d'autres sentinelles snipers surveillent toute la zone plus bas. Je ne sais pas ce que... Oh. Je t'ai dit de parler. Hein ? Combien ? Parle. 4. Assez de conneries, fils de pute. Où sont Nevsky et Somovitch ? Parle ! Nevsky est dans le bâtiment A, au labo Est. Somovitch dans l'arsenal qui se trouve près de l'usine. Je vous le jure. Pitié, me laissez pas ici. Pitié. Non. Anderson, qu'est-ce qui se passe là-haut? J'ai pas trop de temps, là. Voyons voir. Sandman, quelle est ta position? Il y a 4 snipers dans le secteur. Bouge pas. Je m'occupe d'eux. Compris. Reste calme, on peut pas se permettre de déclencher l'alarme. S'ils nous voient, c'est fini. J'ai dégagé le toit. Excellent, c'était la première étape. Un peu de travail au sol maintenant. Je suis en position près d'un camion et 2 tangos à proximité. Attends qu'ils se séparent et c'est à toi de jouer. On approche. C'est fait. D'accord, j'avance. Visuel sur le château d'eau. Impossible d'avancer avec ce gorille là-haut. Je le vois. Éliminé. D'accord, j'avance. Une patrouille se dirige droit sur ta position. L'un d'eux s'en éloigne. Occupe-toi d'eux quand il sera hors de portée. Je m'occupe de lui. 5 sur 5. Je donne le signal. On aura une opportunité. Je suis prêt. Allez. La voie est libre. Camion venant du sud. Les rues sont pleines de monde. Ouais, on cesse le feu. Voyons ce qui se passe. Deux hommes descendent du véhicule. On synchronise? T'as tout compris. Je te suis. Voilà un. Et 2. Adios, enfoiré.
3 cibles hostiles confirmées. 2 sur l'aire d'atterrissage, un autre devant les tuyaux. Il faut s'en occuper un par un. Le générateur va les distraire. Mes balles vont pénétrer le revêtement extérieur. Je suis prêt. Ça va les occuper. Descends le tango qui se trouve près des tuyaux. Cible éliminée. Cible éliminée. Il ne reste plus que celui qui se trouve sur l'aire d'atterrissage. Ennemi abattu. Donne-moi encore un, avant qu'ils comprennent que c'est pas une panne de courant. Troisième cible éliminée, comme sur des roulettes. Joli tir. Il ne nous reste plus qu'à traverser cette place et on est arrivé. Mouvement à l'entrée est. Fils de pute, ils ont dû sentir quelque chose qui cloche. Ils ratissent toute la zone. À toi de voir. Dégage-moi un chemin. Et je vais faire avec. Ok, à toi de jouer. Oscar Mike. Fais chier. Éliminé. Fais un trou dans leur défense, maintenant. Ça devrait le faire. J'y suis, le spectacle commence. J'ai atteint le sous-sol du bâtiment cible. Un peu de C4 sur ces supports devrait enterrer Nevsky et ses gorilles. Sois prêt à me couvrir quand j'allume le feu d'artifice. Dmitri ? Это ты ? Mais merde ! Ты что делаешь ? Мы обыскались уже ! Эй ! Какого черта ? Тревога ! Greyhound, ta position ? Ma position vient de chauffer, je pose les charges. Non, tu dois d'abord sortir ! Pas le temps ! Diaz ! La cible s'est échappée. La Hound répond. Je suis sorti. Attrape Nevsky. Cible éliminée. Bien joué, Sandman. Manque encore Sobovic. On doit se rendre dans le quartier de l'usine. Je vais suivre les toits, on se retrouve là-bas. Compris. Sois prudent. Les renforts vont sûrement se pointer. Вот он, вражеский снайпер! Пошлите больше людей! Он на крыше! Сосредоточить огонь! Bordel, ils sont déjà là! Sandman, bouge ton cul! Des snipers hostiles pénètrent dans ma zone dopée! J'ai besoin de soutien! Tiens bon! Je vais aussi vite que je peux! J'ai coincé, ouvre le feu!
Sniper liquidé. Bien joué. C'est pas encore fini, Somovitch s'enfuit. Je vais prendre une voiture et essayer de le rattraper. En position, vite. Fils de pute. Vias, plusieurs cibles vers ta position. Réponds. Ah, Somovitch est la cible. Couille. Je les ai eus. Attends, je te couvre. Couvre-toi. C'est tout, pour l'instant. Tu peux marcher ? À peine. Mais je vais faire comme toi et tenir bon. Je sais que ton bureau te manque, mais tu t'es bien débrouillé, partenaire. Ah ! Ne crions pas victoire trop vite, on n'est pas encore en sécurité. Yas. J'appelle la base pour un Evasan. Non. Une transmission à longue distance pourrait nous compromettre. Et puis, il refuserait de toute façon. Le sacrifice de soldats, ça te dit quelque chose ? Ouais, si tu veux devenir héros d'un vieux film d'action. Je suis plutôt du genre, on n'abandonne personne. Je suis le plan. Trouve Ulyanov et fais-lui cracher le morceau à propos de l'antidote. C'est un dur à cuire et ça risque d'être difficile de le convaincre. Il faudra toucher dans le mille. J'avais la preuve que ses collègues l'ont bien baisé. C'est notre seule chance. Et le pétrolier ? Il l'utilisait en tant que chambre froide. Si des échantillons ont résisté au sabotage, c'est à cet endroit qu'on les trouvera. Je m'en occupe. Barre-toi quand ça commence à péter. J'ai atteint la rue, tu tiens le coup ? J'avais pas fait de garrot depuis un bail, mais ça ira. On se capte à un demi-clic au nord de ta position. Il y a un entrepôt. Le nombre de patrouilles va empirer, fais bien attention. Bien reçu. Silence radio à partir de maintenant. On se capte quand j'arrive en position. Je suis sur zone. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici ?
Pour faire court, la base voulait mettre un terme à ses activités. Zumovitch est allé voir le chercheur en chef, Ulyanov, pour lui demander de contacter une certaine organisation qui voulait continuer ce projet. Mais ce qu'Ulyanov ne savait pas, c'est que Zumovitch comptait modifier le virus pour qu'il puisse se propager dans l'air, et qu'il avait conclu un marché avec ces gars-là pour lui régler son compte. J'étais sur le point de l'appeler, mais tout a pété avant la date prévue. Y'a quoi sur la bande ? La preuve de tout ce que je viens de dire. Montre-lui le reste, je te fais confiance. Il faut qu'il nous dise qui est le responsable. Les négociations, c'est pas vraiment mon point fort. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a des hélicos dans le coin, chargés. Merde, ils sont en train de fermer boutique et on est hors de portée radio du JSOC. Anderson, ça va être à toi de jouer, on a besoin de pistes. T'inquiète pas, Ulyanov et moi, on va discuter. Très impressionnant. Monsieur... Smith. Je vois. Je m'excuse de ne pas vous serrer la main, je suis un peu... occupé pour le moment. Je m'appelle... Alexei Ulyanov, chercheur en chef de la base de recherche top secrète Bulgarine, et ex-KGB. J'ai fait quelques lectures sur ces dernières heures, qui décrivent tout sauf un homme prêt à tuer des milliers d'innocents. Mais... Tout à fait, Monsieur Smith. Sauf qu'on n'est jamais vraiment un ex du KGB. Je suis le responsable, et nos recherches n'ont jamais eu pour but revendiqué de créer une arme de destruction massive. Bref, les accusations que vous me portez sont aussi vides de sens que la mort qui vous attend maintenant. Non. Ils vous ont vendu. J'en ai la preuve. Alors, c'est fait ? Oui, j'ai craqué le code du vieux. Il est prêt à être redistribué et fabriqué à grande échelle. Le produit est bien contagieux ? À 100%. J'ai contacté l'acheteur et conclu le marché. Surtout, soyons prudents. Ulyanov ne doit se douter de rien avant que tout soit mis en place. Il doit toujours croire que c'est lui qui commande. Oui, oui. C'est ce que l'acheteur pense aussi. Fais profil bas et laisse-moi préparer le terrain. Garde les échantillons isolés en permanence. Ah, Brutus a enfin eu le courage de sortir son poignard. Mais, Dmitri... Ah, je n'aurais jamais cru ça de sa part. Il est de la CIA. C'est moi qui se fais passer pour votre assistant. Bien. Dites-moi, Monsieur Smith, qu'allez-vous faire ? Vu que vos supérieurs ne rêvent sans doute que de me mettre la main dessus, les miens de me pendre à la plus grande tour du Kremlin, je ne serais pas contre un peu de courtoisie professionnelle. Je ne suis pas un assassin, et votre défection ne m'intéresse pas. Je dois m'assurer que l'arme biologique reste sous contrôle et ne finisse pas entre de mauvaises mains. Et nous savons tous les deux qui va tenter sa chance. L'acheteur est déjà en possession d'un échantillon assez grand pour anéantir une métropole. Donnez-moi du concret. Le mot de passe de mes fichiers personnels est Borodin. Si vous voulez retrouver notre homme mystère, demandez à vos experts d'analyser notre correspondance. Jurez-moi
de trouver l'homme qui m'a abusé et de détruire les deux virus. D'accord ? Courtoisie professionnelle. Sandman, ici Greyhound. Comment il signale à toi ? Compris, je t'entends. À peine. Le temps se couvre. T'as pu récupérer des renseignements de la part d'Ulyanov ? Affirmatif. Les infos concernant l'acheteur se trouvent sur une clé USB et une clé de cryptage. Ils ne connaissent pas le nom de l'acheteur. Je pense qu'il ne mentait pas. Ton enregistrement l'a vraiment troublé. Bien reçu. On va devoir faire avec ce qu'on a. Fouille le pétrolier, mais sois extrêmement prudent. On se capte quand tu auras le champ libre. Compris. Sandman terminé. C'est ici que t'étais caché. On peut y aller.
reçu. J'ai bien cru que la fête était finie. Pas encore, mon vieux. Il nous reste du boulot. Ouais, le labo aussi. Parfait. C'est ce que j'appelle une mission réussie, Sandman. Cool. Mike. Et celui qui est en possession de cet agent biologique l'a officiellement dans l'os.